J'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog dans ma voiture. Et ouais, je vous emmène pour de vrai avec moi cette fois-ci. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche, mais tous les magasins sont ouverts. Et j'ai mon ami qui cherche après une veste. Et donc, je vais aller la chercher et on va aller dans un centre commercial pour aller essayer de trouver cette veste qu'elle cherche chez Zara. Elle en a déjà fait plein et elle ne trouve pas. Donc, on va aller faire ça et en même temps, on va un petit peu se promener. Là, il est 11h15. Donc voilà, je vais la chercher et puis on se retrouve dans le centre commercial. C'est la caméra. Il y a des caméras partout ici. Il y a des caméras partout ici. On est surveillés. Ouais, comment on va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Oui. Comme un dimanche. Comme un dimanche. Écoute, ouais. Normalement on est en pyjama. Donc comme je disais, normalement on est à la maison, on est en pyjama, tranquille, pyjama. Chill. Et là non, on sort parce que tout est ouvert et on a besoin d'une veste. Elle cherche sa veste, donc on va trouver cette veste. Ouais, on va trouver cette veste. Hein. Okay. Je veux cette veste. Allez, c'est parti. C'est parti. On va tout de suite commencer par le Zara. Comme ça, on va trouver sa petite veste qu'elle cherche désespérément. Ouais. J'ai fait tous les Zara. Ouais, je te jure. Je l'avais essayé chez... C'est bon? Goûte ouais. La mienne. Elle est vraiment bonne. Oh la vache. Je suis pas très fan des soupes de coquillons. Ah, moi, tu sens la coco et tout dedans. Ouais. Mais quand même, je suis pas fan. Ouais? Ouais, je préfère les mignons. Cannes, Avène, c'est pas mal. C'est même très bien. Bah, scan entre la roche posée. Ouais, regarde, elle est là aussi. Ouais. Non, c'est pas celui-là que. C'est. Moi, j'avais pris pour le visage. Ouais, celui-là. Tu vois? 66. Thank you.
petit peu abandonné hier. Mais voilà, après notre sortie avec mon ami, on a été boire un café chez sa sœur. Et puis voilà, et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a un petit peu cassé le moral. Et du coup, j'avais plus trop la tête à filmer. Donc je vous ai pas repris hier. Alors ce matin, quand je me suis réveillée, après avoir bu mon café, j'ai un petit peu rangé la maison. Donc j'ai fait la vaisselle, un petit peu l'aspirateur, etc. Un peu de rangement, voilà. Là, j'ai commencé à cuisiner pour faire une soupe au poulet. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, il faut que j'aille faire des courses pour la semaine. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Puis je vous montrerai ce que j'ai acheté. Là, il me reste vraiment plus rien dans mon frigo pour cuisiner. Donc il faut que j'aille acheter quelques petits trucs pour cuisiner cette semaine. J'ai pris ma douche et je me suis un petit peu bouclé les cheveux légèrement. J'avais pas envie de faire de brushing, donc j'ai un petit peu, je les ai séchés comme ça et puis j'ai fait un brushing. Je me suis un petit peu maquillée, j'ai un petit bouton de fièvre ici, je sais pas comment ça se fait, mais voilà, j'ai un petit bouton de fièvre, c'est pas grave, ça va passer, ça prend une dizaine de jours je pense. Ça m'arrive de temps à autre d'avoir des boutons de fièvre, donc je m'inquiète pas. Peut-être que je couvais quelque chose, je ne sais pas. Je me suis mis en legging, voilà, comme ça je suis déjà prête pour aller au sport après. Quand mon mari rentre du travail, on va aller au sport ensemble. Et voilà, je vais me faire un petit shake protéiné, comme ça, ça me fera un petit repas en attendant que je rentre. Et quand je rentre, je mangerai quelque chose de plus convenable. Des courses, je vais ranger ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des courses quoi, rien de spécial, mais je vais quand même vous montrer. Et après, ouais, je vais me préparer vite fait un petit truc à manger quand même, parce que le shake là, pof quoi. Il est quelle heure là? Ah ouais, il est quand même 13h20. Juste un shake depuis hier, c'est un peu peu quand même. Donc voilà, je me suis acheté du tofu, donc je pense que je vais peut-être me faire ça. Enfin, je vais voir. Je vais voir avec ce que j'ai acheté et je vous montre mes petites courses. J'aime bien acheter ce genre de choses parce que voilà, les jours où je ne sais pas quoi cuisiner, j'ai tout dedans. C'est un peu comme le système de HelloFresh, mais là voilà. J'ai été le chercher moi-même. Donc c'est du curry madras, donc ça c'est sympa. Voilà. Il faut juste rajouter le poulet et le riz. Sinon, vous avez tous les légumes, les épices, etc. etc. Ici, j'ai deux pains de siècle, donc je vais en mettre un dans le congélateur, comme ça, quand un est terminé, je sors l'autre. Ici, j'ai acheté des bananes. Bon, elles sont pas encore mûres, mais ça mûrit tellement vite que du coup, j'ai préféré les prendre comme ça. Ici, j'ai trois avocats, j'ai des carottes, ici, j'ai des scampi jumbo, j'ai deux pots de yaourt à la grecque, mon mari adore ça. Ici, j'ai deux feta pour les salades, ici, j'ai un beurre salé.
Là, j'ai du citron. J'ai pris deux aubergines, deux courgettes. Ici, j'ai pris des carottes. Ici, j'ai pris un mix de carottes. Vous voyez, il y a des carottes de toutes les couleurs. Ici, j'ai des haricots verts. Alors ici, ce sont des boulettes aux légumes. Donc ça, j'ai pris pour moi du tofu. Ici, j'ai du filet de cuisse de poulet. J'ai de la mozzarella râpée et de la mozzarella comme ça. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer ceci. Donc j'ai acheté des burgers vegan. Donc c'est des burgers de soja et de blé. Et j'ai acheté aussi la version viande hachée comme ça. Ils montrent sur la photo ici des spaghettis bolognaise par exemple. Je sais pas, j'ai trop envie de tester. On va voir ce que ça donne. En fait, je vais faire quelques changements dans ma cuisine, mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Donc je vais changer le plan de travail de ma cuisine. Ainsi que la petite table qui est juste là derrière moi. Je vais rajouter une armoire au-dessus et je vais vraiment mettre le plan de travail jusqu'au bout et faire des étagères. Enfin bref, on va repeindre, faire du carrelage, etc. Donc voilà un petit peu... Bon, je ne vais pas changer mes armoires parce qu'elles sont encore bien. C'est vraiment juste un petit peu... c'est juste le plan de travail parce que là, j'en ai un peu marre de ce plan de travail noir. J'ai envie d'acheter... j'ai envie que ce soit en bois, couleur bois... que ce soit plus chaleureux, plus cosy. Donc voilà. Et alors, je dois aussi vous montrer les changements que j'ai fait dans la pièce en haut où j'ai enfin un bureau studio pour mes vidéos, pour mon matériel vidéo, etc. Pour vous filmer des vidéos. Donc ça va être très joli. Donc comme ma fille est partie, j'ai repeint sa chambre pour mon fils. Lui, il s'est installé dans la chambre de ma fille. Et la chambre de mon fils, j'ai aussi repeint en blanc. Et j'ai déjà installé le bureau de mon mari. Et là, je dois aller m'acheter un nouveau bureau, un petit fauteuil, un tapis, etc. Je vais faire vraiment un truc très sympa, très cosy pour vous. Et à partir de là, à part les vlogs, évidemment, mais toutes les vidéos que je vais vous filmer, ce sera dans mon studio. Voilà, enfin, j'ai un studio. Je vais vous montrer la pièce tout à l'heure. Là, je vais vite ranger mes courses. Je vais vite me préparer un petit truc à manger et je vous reprends juste après. Voilà, les gars, du coup, je vous montre mon nouvel espace pour filmer. Donc voilà, j'ai peint le mur qui est là en face. Ainsi que celui-ci qui est de ce côté-ci. C'est un bleu roi, donc j'ai dû faire plusieurs couches. Maintenant, l'espace est quand même pas mal vide. Mais évidemment, voilà, ça va se remplir. Ici, il y a encore un petit cote, là, où je peux stocker des valises et des trucs comme ça. Ici, c'est le bureau pour mon mari. Par contre, l'imprimante, je vais la mettre ailleurs, parce que là, il n'a plus de place pour travailler. Mais pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Donc ici, j'ai mis mes ring lights. Donc j'ai vraiment de quoi ranger. Ici, c'est mon micro. Voilà, donc ça c'est mon autre caméra avec le trépied. Donc voilà, j'ai déjà ramené tout mon matériel de caméra, vidéo, etc. dans cette pièce. Et donc ici, il va y avoir un tapis, un petit fauteuil, encore un bureau pour moi. Mais voilà, j'ai assez de place. Donc voilà, donc je vais filmer ici mes prochaines vidéos face caméra. Peut-être même les halls. Enfin, je sais pas, je vais un peu voir comment je vais agencer la pièce. Mais je suis trop contente et trop excitée de pouvoir utiliser cette pièce. Je pense que je vais acheter cette semaine les meubles qui me manquent. Que j'aimerais bien rajouter ici. Donc voilà. Bon, je vous reprends dans ma cuisine. J'ai déjà commencé à cuisiner. J'ai oublié de prendre ma caméra. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Alors, je vous montre ici, il y a des pâtes grecques avec du concentré de tomate que je fais un petit peu rissoler. Et ici, j'ai fait bouillir du poulet que je vais émietter et je vais le rajouter dans la soupe. Vraiment, je garde l'eau dans laquelle j'ai fait bouillir le poulet parce que ça va donner un goût bien meilleur à la soupe. Donc maintenant, je vais émietter le poulet, je vais le rajouter à la sauce tomate et après je vais rajouter l'eau dedans. Donc voilà. Bouillir l'eau pour que les pâtes grecques cuisent évidemment et que tout s'imprègne ensemble. Et après, j'ai encore un petit truc à préparer que je vais rajouter dans la soupe et je vous montre ça tout à l'heure. Là, je vais vite faire la petite vaisselle que j'ai et je vous reprends tout de suite après.
je vous explique. Donc, les pâtes grecques sont cuites et ici, j'ai mis 3 grosses cuillères de yaourt avec un jaune d'œuf. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une louche avec le jus ici, qui est bien chaud, et je vais l'incorporer ici en mélangeant très très vite. Et après, je vais verser ça dans la soupe. Ça donne et je vais remettre ça à ébullition maintenant. En fait, c'est une soupe qui passe vraiment bien en hiver et qui est vraiment consistante. Ben voilà, il y a les pâtes grecques dedans, il y a aussi le poulet, le yaourt, il y a l'œuf, donc voilà, c'est assez consistant et je pense que je ne vais rien faire à côté, donc on va manger ça peut-être avec une tranche de pain ou enfin voilà. Il commence à faire noir vraiment très très tôt, il est même pas 4h30 et je dois déjà allumer les lumières. Mais il va falloir s'y habituer, sinon je ne vais pas arrêter mes vlogs à 3h de l'après-midi. L'hiver dure quand même quelques mois, donc on va s'habituer à ça, la lumière artificielle, tant pis. Donc voilà, j'avais la semaine passée, donc j'avais filmé des vidéos et j'ai fait le montage et tout, nickel. Et le jour samedi, donc j'ai travaillé sur mon montage, je voulais le finaliser et déjà le programmer pour dimanche. Et impossible de transférer mon montage. Impossible, j'ai tout essayé, j'ai regardé sur des forums, j'ai passé des heures et des heures à essayer de faire ça. D'ailleurs, j'ai perdu des heures et des heures où j'aurais pu simplement refaire le montage, chose que j'ai dû faire hier. Mais du coup, il était vraiment tard et je me dis, ça sert à rien de mettre ma vidéo à minuit, je continuerai demain. C'est pas évident, mais j'essaie quand même de me référer au premier montage que j'avais fait. Bref, ce sont des détails techniques. Enfin bref, du coup, je n'ai pas pu poster ma vidéo ce dimanche, je suis deg parce que voilà, je l'avais filmé, je l'avais préparé et j'ai pas pu le faire. Et je suis trop deg. Et aujourd'hui, bah, j'ai même pas eu le temps de continuer le montage. Donc, je vais voir si j'ai le courage ce soir après le sport. Parce que je vous avoue, après le sport, j'ai juste envie de manger et puis de m'installer dans le fauteuil et de regarder une série, quoi. Voilà, c'est l'hiver, hein, les gars. Donc, je vais voir. Si j'ai le courage ce soir, je fais ça. Si pas, ce sera pour demain. Et tant pis, ce sera, je posterai la vidéo bah, mercredi ou jeudi, je sais pas, je verrai. Donc, voilà.